Als projectmanager zijn we 30 jaar actief in de vastgoedsector en hebben we heel lang ingezet op eco-efficiëntie, het verbeteren van bestaande processen. En dat zijn businessmodellen die klanten kennen, die burgers kennen, die kopers van appartementen kennen. Maar we moeten verder gaan. We moeten de schaarste van materialen, de schaarste van energie op een economische manier inzetten. En dat vraagt, dat is moeilijk, moeilijker. Het is een andere invalshoek. Maar hier in Antwerpen hebben we Bluegate Antwerp, een circulair businesspark, opgezet samen met de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid, DEME en BOPRO, waarin dat we tonen hoe het kan. En in dit gebouw, Bluegem, een duurzame incubator waar de industrie, industriële actoren en de overheid ook elkaar hebben gevonden om in te zetten op circulaire, duurzame chemie. Ma définition de l'économie circulaire va au-delà de celle qui est entendue, qui a tendance à parler uniquement des ressources et de la réutilisation à l'infini des matériaux. Ça, c'est évidemment un des points les plus importants. Pour moi, l'économie circulaire, il y a le mot économie, c'est de créer de nouvelles économies qui soient évidemment vertueuses et qui permettent de valoriser toutes les externalités de ce qu'on va faire dans une ville, dans un quartier, dans un bâtiment. Il y a une douzaine de points d'attention que moi j'ai tendance à utiliser pour analyser, pour développer un projet, qui vont bien sûr de l'origine des matériaux, de la qualité des matériaux, mais aussi de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, tous les aspects sociaux, création d'emplois, animation et utilisation optimale du bâtiment. Le pire au niveau environnemental est de construire des bâtiments qui sont utilisés un dixième du temps, comme la plupart de nos écoles et nos bâtiments. C'est aussi fournir de l'énergie, produire de l'énergie et d'être productif. Un point d'attention qui est récent et qui est rarement, qui n'est en tout cas pas généralisé dans l'approche des projets, c'est la qualité de l'air. Alors, bien sûr, la période de Covid-19 qu'on vient de traverser met ceci en évidence, mais la qualité de l'air dans les bâtiments, elle dépend non seulement des matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment, la manière dont le bâtiment est ventilé, dont il est utilisé, mais de tout ce qu'on va faire dans le bâtiment. Et un bâtiment, on peut lui-même nettoyer l'air. On peut nettoyer l'air avec des bactéries, on peut nettoyer l'air avec des moquettes, on peut faire énormément de choses positives et pas simplement subir l'environnement. Mon objectif, dans ce cas-là, et de faire en sorte que l'air à l'intérieur du bâtiment soit de meilleure qualité que l'air à l'extérieur du bâtiment. Il faut savoir que même en ville, la plupart des bâtiments sont de 5 à 6 fois plus pollués que l'air extérieur. Bluegate Antwerp is gelegen langs de Schelde in Antwerpen op een oude industriële site waar meer dan 100 jaar geleden voor het eerst olie werd aangevoerd vanuit het Midden-Oosten om onze honger naar energie te ledigen. En die site is in onbruik geraakt ongeveer 50 jaar geleden en heeft zo lang geen gebruik gehad tot nu. We dit hebben omgebogen naar een nieuwe site waarin u de beelden kan zien en die op de rand van de stad is gelegen. Dus we gaan een industriële site net naast de stad plaatsen, goed ontsloten door fietspaden. On est entouré de pistes cyclables et qui nous relient directement au centre d'Anvers, mais aussi au port d'Anvers et aux différentes zones aux alentours, ce qui fait que ça devient un lieu de passage. Je ne connais pas beaucoup d'autres sites dits industriels qui soient un lieu de passage favorisé pour finalement même les promeneurs qu'on a vus tout à l'heure. Sur le site Bluegate, l'approche économie circulaire est d'abord une approche collaborative entre le public et le privé. Il n'y a pas d'économie circulaire s'il n'y a pas une vision commune qui est établie dès le départ et des éléments qui sont des chemins, des feuilles de route, qu'on appelle roadmap de l'économie circulaire, qui sont définis tous ensemble dès le départ. Ce qui permet à tous les acteurs qu'on va inviter à occuper le site, on va activement les faire venir. Ce n'est pas attendre qu'on vienne s'installer comme dans n'importe quel zoning industriel, c'est de faire en sorte que chaque acteur va avoir un élément complémentaire par rapport aux autres. Et cette notion-là, elle est très très importante parce qu'elle permet à la fois de pérenniser l'emploi, elle permet beaucoup plus de résilience pour chaque entreprise, mais aussi pour le site lui-même. Alors tout projet, quelle qu'en soit la taille, doit tenir compte de son contexte. On a eu trop tendance, et je parle en tant qu'architecte et je l'ai fait aussi, à isoler son projet sur la parcelle qui nous est donnée à travailler. Or, je crois que quand il y a moyen, c'est de travailler avec les voisins, que ce soit public ou privé,
avec l'impact qu'on peut avoir sur la rue, l'impact qu'on peut avoir sur des infrastructures, etc., sont essentiels. Donc, il faut mettre tout le monde autour de la table, et y compris les autorités. On a eu trop tendance à dessiner un projet, à aller le présenter aux autorités. Aujourd'hui, chez les autorités qui ont compris que l'économie circulaire était importante, le dialogue est beaucoup plus facile parce qu'on a une vision commune dès le départ. We hebben dus een stuk terrein, 60 hectare, net naast de stad gelegen, waarin bedrijven zich kunnen vestigen. Zij kunnen eigenaar worden van de gronden. Dat is een belangrijk voordeel in de vermarkting van de terreinen. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. Wij willen dat bedrijven, organisaties die zich hier vestigen, onze ambitie meedelen. En het is een nieuwe invalshoek. Bedrijven worden uitgenodigd, uitgedaagd, om hun businessmodellen in vraag te stellen en toch op zijn minst de ambitie te uiten om in een traject van ongeveer 10, 15 jaar hun businessmodel aan te passen naar circulaire modellen. Hoe doen we die selectie? We gaan daarvoor kijken, we werken op drie assen. We kijken naar hun businessmodel. Hebben ze ambitie of nu al potentie om hun businessmodel circulair te maken, hun producten circulair te maken? Dat is bijvoorbeeld het onderzoek die hier op Bloeghem gebeurt met diverse grote chemische bedrijven uit de haven. We kijken of dat ze ingebed zijn in een netwerk in Antwerpen, in Vlaanderen, in België, om te zien zodanig dat de ene zijn afval, zijn grondstof, wordt voor een ander bedrijf. Dus wij nodigen bedrijven uit om informatie te delen. En een derde poot is, zijn ze bereid om op een circulaire, duurzame manier te bouwen? Pour avoir une économie circulaire régénérative et donc avec un impact positif, ça ne dépend pas que de la technologie. En fait, 90% c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est ce qu'on appelle de l'éco-design, c'est de bien orienter son bâtiment, c'est de le construire avec des matériaux sains, des matériaux qui respirent, c'est éviter les matériaux composites pleins de colle, de formaldéhyde, etc. Bon, ce sont toutes des choses qu'on connaît. Bien sûr, ne plus jamais utiliser d'amiante comme ça a été fait dans le passé. Ça, ce sont les évidences. Pour moi, la technologie, elle est plus dans la combinaison des éléments et dans le contrôle des éléments. On va utiliser un modèle BIM, qui est un modèle, on va dire, on appelle ça un digital twin. C'est aujourd'hui faire un jumeau digital du bâtiment pour pouvoir tester des choses. Et ça, c'est une des technologies qui aujourd'hui permettent de quantifier, qualifier et localiser tous les problèmes, mais aussi toutes les opportunités dans un bâtiment et surtout de les tester. La technologie, elle est là. La technologie, elle est dans le contrôle. Contrôle de l'air, contrôle de l'environnement sonore, etc. Ça, c'est de la technologie. Mais le bâtiment lui-même, plus il est simple, mieux c'est. We hebben al verschillende bedrijven die interesse hebben getoond. We kunnen niet alle namen geven. De concrete namen Bloeghem, Universiteit Antwerpen, Diagel Express, Montea en Van Moer. Dat zijn logistieke partijen die zich hebben verbonden om watergebonden stedelijke logistiek uit te bouwen op deze site. Hetgeen een uitdaging is, watergebonden, stedelijke logistiek, is toch wel een nieuw concept dat bedrijven en ook de burgers nog niet vertrouwd mee zijn. Il n'y aura pas de réussite en économie circulaire et de pérennité si la notion d'économie, alors elle s'élargit aujourd'hui, elle n'est pas qu'une question d'argent aujourd'hui, est aussi une question d'impact positif sur la création d'emplois, sur le fait d'amener de nouvelles valeurs, nouvelle attractivité pour les villes. Je crois que la ville fait partie de la solution et que cette solution doit copier finalement cette notion d'écosystème. C'est-à-dire que tout doit être relié. Chaque bâtiment ne peut pas être économe ou même positif en énergie, évidemment, ou en eau, ou en qualité de l'air, etc. Mais plusieurs bâtiments reliés ensemble, travaillant ensemble, peuvent commencer à utiliser de la géothermie, peuvent imaginer être reliés par un parc, peuvent commencer à échanger de l'énergie et à devenir énergie positive. C'est dépasser la notion de passif. Le passif a été un pas très, très important. Aujourd'hui, je pense que la ville doit être quelque part active de son choix. Changement et sa résilience va venir du profit ou des profits, des valeurs qui peuvent naître de cet écosystème éco-circulaire. L'économie circulaire, comme je le disais tout à l'heure, crée de nouvelles économies,
mais aussi elle favorise l'innovation. Alors l'innovation, ce n'est pas que l'innovation scientifique, ce n'est pas vouloir aller sur Mars ou ce genre d'innovation, c'est vraiment créer des innovations dans le domaine écosystémique. Comment relier les différents éléments, comment relier les nouvelles disciplines et celles qui n'existent pas encore pour permettre le développement de la ville de façon durable. L'innovation, ça peut être dans les modes de transport. Aujourd'hui, on travaille sur les transports qui fonctionnent à air comprimé. On n'en a jamais entendu parler avant, à part d'un tram avant 1900 qui a fait 50 mètres avec de l'air comprimé. Aujourd'hui, ça devient une alternative réelle avec l'hydrogène, avec l'électrique, à tout ce qui est énergie fossile. De nouveau, l'innovation, elle permet aussi de trouver des solutions multiples à chaque challenge. Et pourquoi elles doivent être multiples? Parce que dans la nature, on n'a pas une solution pour une situation. Et si on veut de la résilience, notamment dans le domaine des énergies, il faut combiner quasiment tous les systèmes d'énergie qu'on a aujourd'hui. Met onze aanpak is Bopro overtuigd dat we van Bluegate, maar ook andere projecten in de stedelijke ontwikkeling, de toekomst vormen voor bedrijven om op lange termijn duurzaam te overleven. Wij moeten zorgzamer omgaan met de mens. We moeten de mens meer centraal stellen in onze processen en duurzaam omgaan, waardevolle materialen hergebruiken, steeds weer opnieuw modulair bouwen, digitaal bouwen, BIM-modellen gebruiken. Dat is de toekomst en wij zijn ervan overtuigd dat dat zal lukken. We tonen hier enkele voorbeelden en we zijn ook fier dat we daar kunnen aan meewerken.